À Libreville, audience ce matin à la Cour constitutionnelle, le président de cette institution, Marie-Madeleine Bourentour, s'est entretenu avec le coordonnateur du PNUD. Les deux personnalités ont abordé les questions relatives à la corruption et à l'enrichissement illicite. Un reportage conforte Olga Okinkali, Tsam et Yogo. C'est dans le souci de dresser un compte-rendu presque exhaustif du travail abattu et à abattre, encore et encore dans notre pays, que le coordonnateur du système des Nations Unies, Marie-Evelyne Petros-Barry, s'est rendu à la Cour ce jour. Parmi les points évoqués par Madame le Président et son hôte, le projet sur la stratégie de lutte contre l'enrichissement illicite. Le PNUD a entamé un projet de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Et ce projet couvre 5 domaines d'intervention, mais tous ces domaines d'intervention, que ce soit le renforcement des capacités, que ce soit la sensibilisation et l'information, que ce soit le cadre juridique, que ce soit le suivi et évaluation, ou bien que ce soit l'appui au développement d'un cadre de sanctions, touchent à des questions qui touchent la constitution du Gabon et les institutions gabonaises. Le programme des Nations Unies pour le développement tient également à davantage raffermir les relations entre cette institution et les 5 corps constitutionnels du pays. Nous voulions discuter avec Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle dans quelle mesure, dans le cadre de ce projet, nous pourrions travailler avec la Cour dans le cadre du renforcement des capacités de certaines des institutions de l'État et aussi voir dans quelle mesure la Cour constitutionnelle pouvait nous accompagner dans ce renforcement des capacités. Une fois l'avis et les conseils de Madame le Président qu'accompagnaient les membres à Gondjo et à Diwa recueillis, c'est le cœur serein que le coordonnateur du PNUD a ainsi quitté la Cour. Raffermir les relations entre cette institution et les 5 corps constitutionnels du pays. Nous voulions discuter avec Madame la Présidente de la Cour constitutionnelle dans quelle mesure, dans le cadre de ce projet, nous pourrions travailler avec la Cour dans le cadre du renforcement des capacités de certaines des institutions de l'État et aussi voir dans quelle mesure la Cour constitutionnelle pouvait nous accompagner dans ce renforcement des capacités. Une fois l'avis et les conseils de Madame le Président qu'accompagnaient les membres à Gondjo et à Diwa recueillis, c'est le cœur serein que le coordonnateur du PNUD a ainsi quitté la Cour.